C'est pas l'adresse pour lutacrep.com avec nous l'autre. Celui qui a effectué un retour la semaine passée. Starmaker, ce soir, premièrement, t'avais promis une surprise aux fans de la FLQ. T'as tenu ta promesse, t'as fait revenir Ice, tes impressions sur le retour de Ice, de l'accueil phénoménal que tu as reçu à toi. Je peux te dire une chose, Stéphane Latendresse. Moi, je peux me confirmer ça. J'ai ramené à toi ce qui a toujours été le plus gros clan de l'histoire de l'FLQ, le 4XL. J'avais promis au monde des surprises. Un, Ice est revenu. Deux, Bad Boy, je veux dire, venu. Ça fait pas mon affaire, mais ça l'était fait avant. Il est là, je vais essayer de le contrôler. J'en ai tellement de surprises que je suis tout mélangé. Moi, j'ai ramené Carl Excel dans le ring. J'en ai absolument besoin de lui pour faire ce que je voulais et faire le but. Parce que Paul Leduc m'a nommé commissaire à la poste le plus prestigieux de l'Équipement. Commissaire de la FLQ pour mettre l'ordre dans sa tête. Toi et moi, on sait une chose. Le problème, le gros problème de la FLQ, c'est Joe Soprano. Toi, c'est pas la cadresse, tu connais très bien un gars qui s'appelle Larry Master. Oui, il y a longtemps qu'il veut rentrer dans la FLQ, il n'est pas capable. Pourquoi Joe Soprano l'empêche de rentrer? Joe Soprano, le gars qui m'a fait trop gêner de la FLQ l'année passée, qui a magouillé après le 5e, Paul Leduc m'appelle chez nous dimanche, puis dit Starmaker, ton contrat c'est fini, t'es conduit de l'intention. Surprise complète, chicane avec la famille Leduc, chicane avec la FLQ, qui a fini à peu près 3 mois, commence à faire mon enquête, après que toute l'histoire ait été magouillée par Starmaker. Et toi, tu sais quoi? Soprano, gérant de l'année 2004, gérant de l'année 2005. Tu l'as dit toi-même, le même master, il a géré 10 champions. Starmaker, il a géré champion de l'équipe, champion de la FLQ. Il y a eu un des plus gros clans de l'histoire. Le Westside, il a eu des plus gros clans au Québec. Joe Soprano, il est rendu où? Joe Soprano, la famille italienne. Joe Soprano, la famille royale. Il sait quoi faire. Faut pas oublier la Starmaker aussi, le bio d'Amec Tal, ça l'a importé à télé. Et voilà ce que Joe Soprano a pas eu. On peut-tu dire que c'est de la jalousie, Stéphane? Oui, puis moi aussi. Puis toi, si Soprano, je le sais que tu vas regarder cette vidéo-là. Puis toi, si tu sais que c'est de la jalousie, parce que tu savais qu'en 2016, le gérant de l'année, c'était moi. Tu as tout fait pour m'agouiller, pour me faire congédier de la FLQ Soprano. Mais la vérité a enfin été au grand jour. Soprano, ça fait 2 semaines que je t'ai FLQ. T'es où? On veut pas Soprano. Tu as raison. Le ringmaster, je veux rentrer avec lui. Pas capable. Pourquoi ce prénom? Parce que t'empêches shot par la derrière, ce prénom. Il y a une chose que je peux te dire. Starmaker est un FLQ.